Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 84 de Stage 1 et nous allons jouer aujourd'hui à Dead Island. Dead Island qui est un survival horror, hein, vous allez le voir. Donc comme son nom l'indique, en même temps l'île de la mort. Voilà. Donc ça va pas chercher bien loin. Donc je vais vous laisser la cinématique de début. Fangs that go bump in the night. What the Jesus? Me. Jerk. Drunken head, broken legs, body parts on the concrete. Cut them up, butcher style gators in the swamp. Red light, leave them dead, running like a track meet. Scared of nobody, what you know who I am? Swamp. You have any idea who you're fucking talking to? Or maybe you saw me in the playoffs. Cause I played for the fucking goddamn champions. Well, fed, cooking meat, cannibal, trying to eat. I got a zombie on me, and you can't harm me. Hey, watch who it. Do you voodoo, bitch? Yeah. Drink blood like a vampire without warning. Who do you voodoo? Stand up! Sam B got the thing that go bump in the night. Whoa. Who do you voodoo, bitch? Hide your kids, grab your wife, better get out of sight. Who do you voodoo, bitch? Let's go! Sam B the Papa Shango, I'm Baron Samedi. Handful of fingertips, toss them up like confetti. Stay full of corpse bitches, I'm a pimp of the dead. Come fuck with a another zombie, drunk I put a stake in your head. Look, God's you want ghouls, I got fucking stupid get. Maybe everybody dies, I'll see your ass real soon. Crack bones to the marrow, hot sauce, so they suck it. Sir, looks like you've had enough. What's your room number? I'll make sure you get there safe and sound. Stand up. Sam B got the thing that go bump in the night. Who do you voodoo, bitch? Hide your kids, grab your wife, better get out of sight. Who do you voodoo, bitch? Let's go. Excuse me, lady. Are you okay? Can you hear me? What are you doing, sir? This is the woman's restroom. I got a zombie on me. You can't harm me. Who do you voodoo, bitch? Excuse me, sir. Are you okay? Who do you voodoo, bitch? I rip your arms off with my bare hands. Who do you voodoo, bitch? Smack your mama. Who do you voodoo, bitch? Donc voilà pour la cinématique. Donc on a vu qu'il s'était passé quelque chose de grave. En gros, tout le monde, il y a eu une attaque. Et donc nous, on est retourné dans notre chambre pour puancer parce que on avait avalé des comprimés. Enfin, on avait déjà trop bu puis on a pris des comprimés. Ça nous a pas aidé. Donc là, voilà, je choisis le personnage. Donc ça commence. Hein. Donc je viens de choisir le personnage. J'ai pris le mec parce qu'on va pas s'embêter. On peut choisir la femme ou il y avait deux autres, mais. C'est comme vous voulez, hein. Vous faites comme vous voulez. L'histoire sera la même, hein, il me semble. Les récompenses des quêtes peuvent être de l'une. Quoique, peut-être que ce serait pas la même histoire, vu que là on a vu le mec. Ça reprendrait peut-être pas à partir du même endroit, je ne sais pas. Donc pour la... nous on va quand même jouer avec le mec. Hein. Voilà, il se réveille tout doucement. Voilà. Youf, qu'est-ce qui s'est passé? Il sait pas trop. On appelle ça la gueule de bois. Ça y est, on a le contrôle. Nouvelle quête, ouverture chaotique. Alors, qu'est-ce qu'il y a autour de moi? Où c'est que je dois aller? La porte, là, il y a un logo. J'appuie sur F. Donc, on sort. La lumière clignote un peu. Tiens, on peut ouvrir les sacs. D'accord, on gagne de l'argent. Dans celui-là, du déodorant. Ouais. Au cas où on sentirait mauvais, peut-être. Qu'est-ce qu'on peut faire avec du déo? Peut-être un lance-flamme avec du déo, peut-être. Ouvrir de l'argent. Je suis en train de me faire tous les sacs des gens. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que là, donc, il y avait... Donc, j'ai bien allumé ma lampe poche avec tes torches. Ma torche, tout simplement. Il y a du pognon. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que là, vous voyez, en bas à droite, donc, on a un petit chemin qui nous dit qu'il faut que j'aille ici. Donc, je vais aller là. Donc là, on force la porte. Alors, haut, on va de haut vers le bas avec la souris. Hop là, on défonce la porte. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a tout un tas de trucs ici. Hop, tiens, il y a une porte ici. On va rentrer dedans. Une porte qu'on n'aurait peut-être pas vue dans le noir. Donc il n'y a rien dedans, c'est super, ça sert à rien. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire? On va vers là-bas. On va aller voir l'ascenseur. L'ascenseur, il est fermé. Appuyez sur Mash pour sprinter. Pourquoi? Je sais pas, voilà, donc bon, on peut appuyer sur Mash pour aller plus vite.
Donc quelqu'un vient de se balancer du toit, apparemment, ou enfin oui, il a peut-être pas eu le choix. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Il y a encore des sacs à ouvrir. Il y a des sacs partout. Il y a pas mal d'objets avec lesquels on peut interagir, c'est plutôt sympa. Bon, il n'y a pas que les sacs, hein, il y a aussi les valises par terre, il y a les... Hein. Ouais, ça revient à des sacs. Alors, tu vois, alors ouvrir la trappe. Maintenir F. Hop là. Donc je rentre dans l'ascenseur. Qu'est-ce qu'il y a dans l'ascenseur? I can see you through the camera. Feeling all right, mate? The shakes? Fever? Chills? Good. I'll introduce myself later. Right now, we gotta get you the hell out of there. Do exactly as I say, okay? You're gonna have to trust me. First, you need to get hold of a weapon. Search in the maintenance storage room by the end of the corridor. I would move if I were you. Now. Donc, première chose à faire, c'est se trouver une arme. On vient d'entendre un mec qui nous a parlé par la caméra, là, dans l'ascenseur. Donc, on va suivre le chemin tout bête, hein, tout bêtement. On va suivre les petits tracés blancs. Qui me dit d'aller là, donc je vais là. Ah, merde, il y a les infectés. Merde. Donc, il me dit de courir dans l'autre sens, faire demi-tour et fuir les infectés. Donc, il faut que je me barre vite avant de me faire déchirer. Donc voilà, on a été attaqué, on a vu des mecs essayer de nous sauver la peau. Donc maintenant ça charge. Qu'est-ce qu'on va. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on va. Où c'est qu'on va atterrir surtout? Alors, n'oubliez pas vos classiques, visez la tête. Vos classiques. D'accord, station balnéaire. I'm doing it. No! Didn't my body tell you? Move. Now stop! Wait! Hey! Can you hear me? Do you understand what I'm saying? Nod your head! Nod your bloody head! I ain't asking you again! Oh, thank God! I'm a doctor, not a bloody executioner. Donc ça y est, on est réveillé. L'autre, il a failli nous massacrer la tronche. Alors, où c'est que je suis? Il y a des mecs, ça a l'air d'être des survivants. Apparemment, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois parler à elle? Pourquoi personne ne m'aide? On peut pas me laisser mourir dehors comme ça. Il vous a sauvé, vous devez lui venir en aide. Ouais. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois sortir? Il veut pas que je sorte. Si vous voulez pas d'aide, alors dégagez. Il me faut une arme. Il faut que je trouve une arme, d'accord. Alors, on va essayer de récupérer. Tiens, ça doit être une arme. Hop. Voilà. Donc maintenant, j'ai le droit de me barrer. Attention. C'est parti. Alors, qu'est-ce que c'est ça, tout ça? Donc, ça a l'air d'être des gens infectés, hein. Ah, je me suis fait attaquer. Ah, mais d'accord, mais c'est. Donc, tout ça, c'est une cinématique, hein. Je ne contrôle rien pour l'instant. Hein. Ça y est, maintenant, je contrôle. Donc maintenant, je peux mettre des coups de pagaie avec mon clic de souris. Donc voilà, on leur en met plein la tronche. Ils ont un peu de la peine à crever, et en fait, et en même temps, ils sont tous venus sur nous dès le début. Pour la mise en serre, pour la mise en bouche, on va dire, c'est plutôt pas mal. Voilà, allez, crevez, salopard. Putain de zombies. Ils ont toujours moyen de se relever. Alors, qu'est-ce qu'il me veut lui? C'est bon, c'est terminé? The last one? Okay then. Thanks, mates. Are you there? Hello? Can you hear me?
shit. Hello? We were just attacked. Listen, your friend from the hotel's awake. You were right about him being immune to this thing. If it wasn't for him, we wouldn't have made it. Maybe now we can hold out until help arrives. There is no help. This thing can't be stopped. I saw how it took my wife. You need to get out of there, and I can help you. I can arrange for transportation, by air, by sea, but first you need to get here, to me. I have many sick and injured here, mate. They're crazy with fear. Tell me where you are. Where are you? You there, mate? Hello? Hello? Oh, God damn it. It was touch and go with you for a while. Donc voilà, nous revoilà avec notre pagaie dans la main. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Un passeur pour la vie. Donc ça, c'est les compétences. J'ai gagné un point de compétence. Qu'est-ce que ça me donne? Vitesse précise. Bourreau. Et ça, c'est boomerang. Ouais, bon, on va prendre un peu au pif les compétences qu'on veut. Donc ça peut être sympa. C'est... En même temps, un petit jeu de stratégie à ce niveau-là, parce que suivant comment vous voulez développer votre perso, vous mettez vos points, mais là on n'a plus rien, donc c'est reparti. Donc lui, il faut lui parler ou il faut pas lui parler? Je sais pas. Il y a quelque chose un peu partout. Est-ce que je peux ressortir? Non. Les mecs, ils sont en train de se peloter. Ah, ils sont... Tranquille, hein, tout le monde meurt. Ouais. Voilà, lui il me parle. Je suis le sauveteur. Et apparemment, alors donc, ce que j'ai compris, je suis immunisé contre la maladie qu'ils ont les zombies. En fait, quand ils attaquent quelqu'un, bah l'autre il devient zombie. Mais moi on m'a attaqué et j'ai rien eu. Voilà, il est en train de me dire que c'était pas les fuchons. Alors il y a un type, donc pour résumer, si vous n'avez pas trop compris, il y a un type à la radio qui nous a aidé tout à l'heure dans l'ascenseur. Et on ne sait pas trop qui c'est, enfin, apparemment ce serait quelqu'un qui nous veut du bien. Hormis tout ça, le graphisme du jeu sont réellement très jolis. Parce qu'il faut quand même que je parle du jeu, je ne veux pas parler de mon expérience non plus trop. Alors ça c'est une quête... difficulté facile, récompense. Alors je peux activer. Voilà, j'ai accepté, je pouvais refuser aussi la quête. Une carte d'accès. Donc on va parler du jeu après. Hein. Donc il faut une carte d'accès, il faut que j'aille la récupérer. Voilà. Je ne peux pas mourir. Enfin, je ne peux pas être immuné. J'y arrive pas. Je ne peux pas être infecté, mais je peux quand même crever. Donc voilà, on va y aller. On va aller taper du zombie. Elle a récupéré la carte magnétique qu'il voulait là pour passer ou je sais pas où. J'ai pas tout compris, j'ai pas tout suivi non plus, mais l'important c'est qu'on va aller taper du zombie et qu'on je vais vous montrer un peu le jeu. Donc là vous voyez, donc je disais les graphismes sont très beaux et on remarque qu'on peut prendre beaucoup de choses. Donc voilà, là le manche à balai dans le cadavre, on peut fouiller pas mal de trucs comme les poubelles. Regardez la poubelle par terre. Voilà. J'ai récupéré une lame dedans. Il y a des boissons énergisantes qui vous redonnent de la vie. Enfin, de l'énergie, on va dire, de la vie. Un peu sur le chemin. Hop là, donc j'ai... Ah bah là, je viens de jeter ma pagaie. J'ai essayé un peu les touches. Peut-être pas que je la jette. Je vais en avoir besoin pour taper mes ennemis. Parce qu'à la main, ça le fait pas tellement. Alors, on monte. De toute façon, je suis le chemin de la mini-carte en bas à droite. Attention, ah, un zombie. Donc là il m'avait chopé, mais je lui ai mis une beigne. Donc là il est bien mort, hein. Je pense qu'il est mort. Les poubelles, hop. Est-ce qu'on peut récupérer des trucs intéressants à l'intérieur? Lifeguard. Oh bah je vais suivre le chemin, hein. Comme je vous ai dit, je suis le chemin. On va pas s'embêter à faire de la découverte. On voit quand même que tout est bien fait. Ah bah j'ai bien cassé ma pagaie. Ah bah c'est super. Je n'ai plus rien pour me battre. Absolument rien du tout. Est-ce que je peux... Je sais pas si c'est une bonne idée. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là par terre? Non, il y a des zombies là-bas. Là, il n'y a rien. Fouillé, ok. Bon, bah, on va aller récupérer le morceau de bois que j'ai croisé tout à l'heure. Parce que ma pagaie, je l'ai totalement pété. Au passage, on récupère ce qu'on peut récupérer. De l'argent, par exemple. Même si je sais pas à quoi sert encore exactement l'argent. Donc ma pagaie était dans le cadavre que j'ai croisé au début tout à l'heure. Il faut redescendre. Il est là, mon cadavre. Le bâton.
il est dessus. Allez, hop, allez, voilà, un peu du mal. Alors j'ai mon bâton, on remonte. Et on va pouvoir aller taper un peu mieux les ennemis. Donc oui, donc les armes s'usent. Hein. Au fur et à mesure, hein, surtout les armes en bois. Donc on verra qu'on a, on a d'autres styles d'armes plus loin. On verra si on en trouve. Donc là, c'est de l'arme en bois. Alors, la piscine. Ça va, là il y a des zombies, donc il faut que je les démonte. Hein. Je pourrais pas passer sans, de toute façon. Hop là, ils m'ont vu. Donc lui, il est crevé. Elle aussi. Ah là, on m'a chopé. Ça, c'est chiant quand il vous chope. Alors, il se relève. Hein. Il est toujours pas crevé. Allez, crevé. Donc, je viens de casser un peu mon bâton. Vous voyez, le bâton, il s'est usé. Donc, je sais qu'il va pas tarder à me faire faux bond. Sauf que j'ai rien du tout pour me servir de bâton. Pour me servir d'âme plutôt. Cocktail Molotov. Est-ce que je peux le prendre? Ouais. Est-ce que je peux l'utiliser? Ouais. Ouais, je viens de faire cramer un zombie. Ouais. Allez, crève, zombie de merde. Et voilà. J'ai toujours mon bâton qui se casse de plus en plus d'ailleurs. Le zombie qui a du pognon. Vous remarquerez qu'un mec qui crame, on peut quand même récupérer des billets dessus. Bon. Moi je dis ça, je dis rien. L'eau de la piscine elle est un peu bizarre. Est-ce qu'il faut aller là-haut? Non, moi je vais. Apparemment non, il faut que je suive mon petit chemin. Donc là il y a un zombie bizarrement qui se lève quand vous passez. Hein, il peut pas se lever avant ou être mort complètement. Non, il se lève quand vous passez. Vous allez voir, ce sera pas le seul. Regardez, deux autres zombies, l'autre qui s'est relevé quand on arrive. Ah, j'ai plus rien du tout. Je n'ai plus d'armes. Je suis obligé de me battre avec mes mains. Tout en récupérant un peu d'argent. Non, on crève. Vous voyez qu'on gagne de l'expérience aussi. Donc il y a une histoire de niveau, bah, comme on a vu tout à l'heure, hein, on a gagné un point de compétence, donc à chaque niveau on pourra en gagner et augmenter nos capacités comme on le souhaite. Dans l'orientation qu'on le veut. Hop, un peu d'argent, toujours de l'argent. Et il n'y a jamais d'items dans les sacs apparemment. Donc là ils me disent de monter, bon je vais monter. Hop hop hop. Alors encore des valises. On sait jamais, je les regarde. Hein. Boisson énergisante. Hop. On boit un coup. La valise. Il n'y a rien dedans. Super. Tout ça pour pas grand chose. Donc on suit bien le bon chemin. Oula, la piscine elle est. Enfin c'est. Elle est vide. Ou alors c'est la bâche. Pourquoi ça fait une forme bizarre comme ça? Ah tiens. Pied de biche. Voilà, ça c'est une meilleure arme, ça c'est le genre d'arme qui va pas trop se casser, ça. Voir si vous arrivez à casser un pied de biche. Tuyau rouillé. Mais il fait moins d'attaque que le pied de biche, vous avez vu, ils ont des caractéristiques. Donc le pied de biche fait 31 et le tuyau il faisait que 29. Il faut que j'aille ici. Je défonce la porte. Hop là. C'est bizarre qu'on n'ait pas trop croisé d'ennemis encore. Est-ce qu'il y en a pas un là? Ah bah tiens, un ennemi. Hop. Crève. Voilà. On remarquait que c'est vachement plus efficace, hein. Pied de biche. Donc voilà, on a récupéré le passeport. Voilà, la petite carte magnétique. On va essayer de retourner à la bicoque, là. L'endroit où on était, je sais pas, c'est le petit home. En essayant de pas crever en route, parce que là, du coup, bizarrement, il y a des ennemis qui apparaissent. Hop. Crève. On vient de lui exploser la tête, c'était plutôt joli. Boisson énergisante, toujours. Même si je suis à fond dans ma vie. La vie, c'est ce qui apparaît en haut à gauche. On le voit pas tout le temps. Quand on prend des dégâts, elle est en blanc. Ça fait une petite barre blanche qui se vide. Alors, là, je vais suivre... pas le chemin. Pourquoi je peux pas... Non, mais non. Mauvaise idée. On va suivre le chemin. Je voulais essayer de... Non, de faire un peu original, mais non. Alors, on va prendre ce chemin-là. Je sais pas du tout comment est configuré ce truc. Qu'est-ce que ça change, par où on peut passer. Là, regardez. Pourquoi on repasse pas exactement par le même endroit qu'on est arrivé? Je sais pas. On passe pas au même endroit, c'est dingue. Histoire d'avoir plus de chances de croiser des zombies, peut-être. C'est peut-être mieux. Allez savoir. Alors. J'ai entendu des bruits de zombies. Ah bah, il y en a là. Ouais. Alors, je me tiens prêt parce que ça va faire mal. Ils sont trois.
Oh là, ils font mal les zombies, ils font très mal. Ils font très très mal, ils se relèvent en plus. Il y en a là. Non! Il m'a fait tomber en arrière. Il m'a poussé, carrément. Donc là, il y en a encore un, il est encore vivant lui. Voilà, il est mort. Allez, crevez! Ah, il m'a chopé. Heureusement que pour l'instant c'est facile. C'est juste le début du jeu, donc je vous laisse imaginer la fin. Ouais, est-ce qu'il est mort? Oui. On est sûr qu'il est mort comme ça. Alors on continue, on suit le chemin. On suit le chemin. Ah bah bizarrement enraidé, qu'est-ce que je disais? On passe à côté, il se relève. Oh bah tiens, des points, comment ça s'appelle? Des points crantés. Ça pourra toujours m'être utile. Voilà. Alors lui, on sait pas trop d'où il sort. En tout cas, il est bien là. Votre arme est cassée, elle n'est pas d'une très grande utilité. Elle est cassée? On a cassé un pied de biche en tuant des gens avec? Bah pourtant, elle a l'air bien, mon pied de biche. Comment on peut casser un pied de biche en tapant des gens? Bah même en tapant n'importe quoi, vous cassez pas un pied de biche. C'est quand même solide. Ouais, c'est pas très logique sur ce point-là, j'avoue que là, c'est pas tellement logique. Il est plein de sang, ok, mais de là à dire qu'il est cassé. Voilà, donc on revient au repère et on a la carte et ce sera tout. Hop là, pour la mission, c'est terminé. Donc elle est contente, vous avez réussi, parfait, grâce à vous, plus 400 d'XP, c'est magnifique. Et donc voilà, on n'ira pas plus loin pour Dead Island, que vous aurez vu, donc un survival horror, et on en fera d'autres. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir visiter ma page YouTube où se trouvent plein d'autres vidéos. Sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement. Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé, ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé. Tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage 1.